makambo ya pos ya magistrat to pe makambo ya misala ya posembo utumobu makoto kama libwa na tukulibwa sikaba bazali ko tia bango nyoso maboko mukanda mwe muzali ko lakisate ya solo bakutosa maso engeben na mitindo pe na mibeko ndenge mizali ko tinda ba asele kampanga zolo bazuzi ya cour ya cassation me katuka mtindo na kuzenga cheleka na twala ya mfumo wa insi cheleka ya kuza ndima kutambusa bisalo ya bazuzi mutindo siku ya insi ya République démocratique ya Congo kele mutindo na kuzona na ntangu yai na nima ya kuzenga cheleka paki na kuluta mosi mosi kunyema maboko na bona mikanda ina bamekuza ndimati ya seleka bata sala bisalo bosi yake na kulombama yonso mekuza lutila na ntwala ya mfumo wa isi Felix Antoine Seke Chilombo ina mekuza mingi penza kundima inga na kuzengisama ya cheleka na bao pia mekumisa bao mutindo bamekuza mingi penza kubieka na bakiti na bao kimfumo samu na kujatisa bisalo busonga kati ya insi ya République démocratique ya Congo. Mutu ya ntete kuzaka mutindu na kuzenga cheleka vandaka mutindu na twadisi ya cour ya cassation ya insi ya République démocratique ya Congo Mbuta Leon Kabea ya zenga kantete ya ndimosi na nima na yandi ba vandaka mutindu bosi ba twadisi nana ya mvimba ba kuzaka luta ba ndinga mosi na kuza kutubati ba mikuza ndima mingi penza kudatisa bisalo ya busonga na kulandikisa bansiku ya insi ya République démocratique ya Congo kansi inki na kena kusonga cour ya cassation inki bisalo ke salamaka kuna bampanga luzolo ben fona zabati ba ntwadisi ya cour ya cassation ba kesalaka bisalo ya kunonga kutala kana bosi bosi baki bokana ndinga lopoto cour d'appel ba tribunal kele mingi penza kuzitisa bansiku ya kusambisa bantu na mutindo bosi ya kufana kana epe yake vanda kana ntango ya kaka kana bosi mutu mekuza luta na ba tribunal ba na cour d'appel amekuza mingi penza kumona tia ba mekuza nungisa ndive yandi lenda kuluta kukwenda na cour de cassation samwa kutsadia kamikanda nandi samuti bazuzi yina ya zulu ya cassation kuza mingi penza kuzaba kutala kana bosi yandi kena nzila tuwa mikuza mingi penza kununga mingi mingi yake vandaka bantwadisi mingi ya insi ya Republic Demokratiki ya Congo baina misalaka pena kati ya luyalu ya insi kana bosi ba mikuza kubwa bake kuendaka mingi mingi kuenda na kuwe ya cassation samu na kuenda kulomba dia kana bao batala kana bosi bansiku ina ba mikuza sambisa bao ya ukeli bazuzi ya kuwe ya cassation kubaka makano muzo natuwa makano ya baina ke baka maka na kuwe ya cassation bazuzi ina ke kuzaka mingi penza kusamba tupe bazuzi na kina kubaka na kuwe ya cassation bake bokila kabao ba konseye ba ukele ba konseye bantu ni ba onde bantu ke salaka kisalu ya kutala kunonga kanabusi basuku ya nkaka ina kesa mbisaka bantu ba ukele mingi penza kuzitisa nsiku ya luilu ya isi ya République démocratique ya Congo a bien vouloir se présenter en vue de prêter le serment légal. Il s'agit de Monsieur Musenga wa Kasanji, matricule B000147. Terkasa Lufungula, matricule C000227. Tsasa Kandi, matricule C000252. Chibangu Mutombo, matricule C000253. Ilunga Chamakeji, matricule C000268. Bolingo Kani, matricule C000277. Nduba
Kilima. Luya luya insi ya République démocratique ya Congo kena kuzona mutindu siku ya insi ya République démocratique ya Congo kena kolomba bao nde vana ba kena kuluta mosi mosi na twala ya tradisi ya inzo ya kisalu ya mfumo wa insi samu na kutula kama boko na bao na mukanda ina kele kupesa bao inswa tuka kilumba bubu na kuiza ya kubanda kisalu ya kizuzi kati ya kura ya kasasyo edichana. Vous constatez donc qu'ils sont nombreux, les conseillers à la Cour de cassation. Ça fait une bonne vingtaine de personnes quand vous prenez le premier président, les présidents qui sont au nombre de 8 si je ne me trompe pas. Le premier président lui-même, ça fait 9 et vous ajoutez ses conseillers à la Cour de cassation. Ça fait plus ou moins une vingtaine de personnes. Ils ont la responsabilité donc de dire le doigt sur les questions que la Constitution ou les lois du pays sur lesquels les, la loi ou la, la constitution ou les lois du pays leur confèrent une compétence. Ils peuvent saisir ou être saisis par le parquet général près la Cour de cassation, dont les hauts magistrats prêteront aussi serment tout à l'heure. On finit déjà avec la Cour de cassation parce que les conseillers sont les derniers, en tout cas en termes de des personnes qui devraient prêter serment pour le compte de la Cour de cassation. Mais au sein de la Cour de cassation, il y a des chambres, il y a des sections. C'est pour vous dire que le travail est lourd à la Cour de cassation. Il y a plusieurs dossiers sur lesquels il faudrait se prononcer. Et sur l'ensemble du pays, tous les dossiers qui requièrent la décision de la Cour de cassation viennent à Kinshasa. Imaginez maintenant que les 25 cours d'appel à travers le pays ont des jugements en premier au premier degré et qu'en second degré, la Cour de cassation ait à trancher ces litiges-là, mais aussi les pourvois en cassation qui leur parviennent. C'est un très 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 gros boulot parce qu'ils sont au sommet justement de l'ordre judiciaire en République démocratique du Congo. Leur nombre me paraît limite, mais je crois les lois du pays ont bien encadré leur travail et je pense que dans la mesure du possible, ils se démèneront pour essayer de redonner le dynamisme qu'il faut à cette Cour de cassation dans, la, dans le traitement de dossiers, dans les réponses aux questions qui leur sont posées par les juridictions inférieures, mais aussi par le travail qu'ils doivent faire en tant que juge. Je vous ai énuméré tout à l'heure les justiciables de la Cour de cassation, je ne les ai pas énumérés tous, ils sont assez nombreux, mais tous ont la qualité ou à une certaine responsabilité dans le pays. Je vous ai parlé des ministres, je vous ai parlé de députés nationaux, mais je n'ai pas oublié de vous parler des juges de la Cour constitutionnelle, les juges du Conseil d'État, mais les juges aussi de la Cour de cassation, ce sont des humains, ils peuvent bien se rendre coupable d'une infraction et ils doivent être poursuivis et les juges naturels pour eux ou les juges légaux, c'est la Cour de cassation, ils y viennent et répondent de leurs actes comme tout citoyen de la République démocratique du Congo. C'est dire que la constitution de la République et les lois n'ont épargné personne en termes de juges ou des réponses aux différents litiges qui naîtraient Donc j'étais donc en train de dire que les lois de la République démocratique du Congo n'ont épargné personne. Chacun a un juge naturel ou un juge légal. Et comme je vous expliquais tantôt, tous les ministres, excepté le Premier ministre, sont justiciables devant la Cour de cassation. Le Premier ministre et le Président de la République ont pour juge la Cour constitutionnelle, ces gens, comme juge constitutionnel. Ces éléments de détail sont importants pour que les Congolais, partout où ils se trouvent, mesurent l'importance de cette Cour de cassation et pourquoi elle doit compter autant de personnes
que le président de la République a nommé tout récemment, ils sont en train de prêter serment. Mais je vous informe aussi que toutes ces personnes sont proposées par le Conseil supérieur de la magistrature, dont je vous ai donné la composition tout à l'heure, mais j'avais oublié de vous dire aussi que le premier président de la Cour d'ordre militaire est aussi membre de... l'auditeur général près la Cour suprême de la Cour d'ordre militaire sont tous aussi membres du Conseil supérieur de la magistrature. Le travail que ce Conseil supérieur de la magistrature fait est énorme. Il adopte les budgets du pouvoir judiciaire et le transmet au gouvernement pour qu'il soit intégré dans le budget général de la République démocratique du Congo. C'est ce Conseil supérieur de la magistrature qui s'est réuni pour voir les magistrats qui méritent le mieux pour leur promotion. C'est encore ce Conseil supérieur de la magistrature qui statue sur les cas des magistrats véreux qui entachent la profession pour proposer des sanctions auprès du président de la République. Et on a eu pour preuve tout récemment, quelques magistrats ont été radiés de la profession, démis de leurs fonctions pour certains. Et seul le président de la République, il en nomme, peut les révoquer. C'est ce qui est arrivé pour certains malheureusement, qui se sont compromis dans des actes répréhensibles et ils ont été attrapés pour ce faire. C'est une preuve éloquente pour ceux qui pensaient que... ou ceux qui continuent à penser jusqu'à ce jour que les magistrats sont à l'abri de toute poursuite judiciaire. Ce n'est donc pas le cas, il faut très seulement s'informer. Ils sont eux aussi tenus de respecter scrupuleusement la loi, surtout qu'eux-mêmes, en tout cas pour les magistrats du ministère public, sont organes de la loi. La loi doit leur être appliquée avec une rigueur et beaucoup de circonstances aggravantes parce qu'eux ont la responsabilité de faire vivre les lois de la République démocratique du Congo. C'est donc, quand vous êtes en litige avec un magistrat, vous avez un souci de droit commun avec un magistrat, quel qu'il soit, quel que soit son rang, vous avez la possibilité de les traduire en justice. La loi prévoit toutes les dispositions qui donnent donc la possibilité à celui qui se sentirait lésé d'une manière ou d'une autre par un magistrat assis ou debout, de porter plainte et de voir la justice être rendue. Au nom du peuple congolais d'ailleurs, qui est au-dessus de tous, le peuple de la République démocratique du Congo et au nom duquel la justice est rendue. Alors, il n'est donc pas besoin d'imaginer que dans la République, il se trouve des individus qui soient à l'abri de poursuites judiciaires. Tout le monde l'est, mais il peut se trouver qu'en une période donnée, on soit immunisé d'une certaine manière pour les poursuites. Et ça, c'est une autre paire de manches, mais en tout cas, chacun en ce qui le concerne a un juge légal qui doit se charger de ces questions de droit quand il est donc pris en conflit avec la loi ou avoir trouvé en train d'enfreindre la loi. Mesdames et messieurs, ils vont tous signer ce procès verbal et au sortir de cette salle de congrès du palais de la nation, ils sont conseillés à la cour de cassation et ils vont donc procéder à la remise reprise avec ceux qui les avaient succédés, j'allais dire ceux qui les avaient précédés. Vous avez bien donc compris, ce sont eux qui succèdent à ceux qui les ont précédés. Ils vont trouver des dossiers sur leur table, plusieurs dossiers qu'il faudrait gérer, des dossiers urgents, des dossiers de droit. En ce moment, justement, le pouvoir judiciaire est en vacances et ils vont revenir les 15 octobre, je crois. C'est bien établi par la loi de cette manière-là. Ils vont revenir le 15 octobre et la cérémonie officielle de rentrée judiciaire, la Radio-Télévision Nationale Congolaise vous permet de le suivre en direct. Comme toujours, la Cour constitutionnelle organise cette rentrée judiciaire. Le Conseil d'État, dont la Cour de cassation, elle aussi organise une rentrée judiciaire. Le Conseil d'État organise une rentrée
judiciaire. Ça ne veut pas dire que pendant cette période où le pouvoir judiciaire est en vacances, que le droit ne se dit pas, que la justice n'est pas rendue. En tout cas, la justice est toujours rendue. Il y a des dossiers pendants pour lesquels les jugements étaient attendus, mais aussi pour des dossiers urgents, les juridictions fonctionnent. Mais à tour de rôle, certains juges se reposent, certains magistrats se reposent, et quelques-uns de façon intermittente ou de façon tournante se relaient pour qu'il ne soit pas constaté un vide dans une juridiction ou dans un parquet. C'est une tradition comme elle a lieu tous les ans, mais à travers le monde aussi c'est le cas. En République démocratique du Congo, nous ne faisons pas exception. Ces vacances judiciaires sont organisées et à la rentrée parlementaire, ce sont les juridictions qui tournent à plein régime et les parquets qui sont rattachés. Voilà donc, mesdames et messieurs, nous sommes dans cette cérémonie officielle et solennelle des hauts magistrats nommés par le président de la République et qui sont en train de prêter serment. Ils ont prêté serment à ceux de la Cour de cassation. Je vous ai dit qu'on a commencé avec le premier président pour ceux qui nous ont pris en cours. Le premier président de la Cour de cassation, premier président, donc Élie Léon Ndomba Kabeya, qui est professeur d'université, docteur en droit. C'est dire que du côté théorie, il a une éloquente maîtrise des questions de droit. Maintenant, il faudrait dans la pratique avoir des compétences et des connaissances. Et sur cette question aussi, il n'y a aucun doute possible. Il est magistrat depuis 1990. C'est donc 30 ans qu'il est en train de travailler comme magistrat, juge. Donc ils prennent une très très longue carrière derrière avec plusieurs informations même à l'international parce qu'il a été en Centrafrique auprès de la mission des Nations Unies et pour la Centrafrique. Nous avons tout à l'heure rappelé sur les informations que nous avions le parcours de ce nouveau premier président de la Cour en toute connaissance de la loi mais surtout en parfaite harmonie avec le peuple au nom duquel les jugements et les arrêts sont rendus. Je vous rappelle que ces jugements et arrêts sont exécutés au nom du président de la République qui est le magistrat suprême devant lequel les autres magistrats sont en train de prêter serment en ce moment. Nous sommes à l'avant-dernier conseiller à la Cour de cassation qui est en train de signer son procès verbal après lui et ce sera la dernière personne. Nous n'avons pas tous leur nom mais en tout cas nous pouvons compter quelques femmes au nombre de ses conseillers à la Cour de cassation. C'est que le président de la République, champion de la masculinité positive, tient compte de la représentativité des femmes et je crois qu'il a impulsé cette dynamique partout sur l'ensemble du territoire national mais surtout dans les institutions et organes du pays. Le Conseil supérieur de la magistrature a suivi cette dynamique et a proposé à la nomination du président de la République ces femmes dont les compétences sont les seules règles qui prévalent dans la désignation à un poste ou à un autre. Nous en avons la preuve pour ce jour. Ces conseillères ont rempli les conditions qu'il fallait et disposent de la compagnie qui avait refusé de prêter serment. En ce moment-là, les politiques s'y étaient introduits et malheureusement pour eux, ils n'ont pas prêté serment et n'ont pas pu entrer en fonction. C'est la règle et des us et coutumes qu'il faudrait scrupuleusement respecter et c'est ce qui est en train d'être fait. Le président de la République met à disposition son temps pour que cette contrainte rituelle soit observée afin que les magistrats qu'il a lui-même nommés puissent entrer en fonction. C'est justement ce qui est en train d'être fait et que les derniers ou la dernière de conseillers de la Cour de cassation a signé son... Non, elle n'était pas la dernière, il y a une autre qui va
signé elle aussi le procès verbal. En tout cas, nous allons avoir le nombre exact si l'on ne compte pas 1, 2, 3, 18, en tout cas, on dirait 18, 19. Bon, de toute façon, on va avoir le nombre exact de ces conseillers pour vous donner avec précision leur nombre. Mais est-il que je vous ai dit qu'ils sont autour d'une vingtaine à la Cour de cassation, près de 29 ou 30 personnes maximum qui ont la charge de conduire cette fêtière de la Cour de... cette fêtière de l'ordre judiciaire de la République démocratique du Congo. La Cour de cassation a bien vouloir se présenter en vue de prêter le serment légal. Il s'agit de M. Kazadi Kasonga Muleba, matricule D000441. M. Malengela Kabelu, matricule D000472. M. Pungwe Nemba, matricule C000249. Madame Sumbu Ohemba, matricule C000280. M. Bakubi Kilanga, matricule D000297. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de premier avocat général près la Cour de cassation. Mes très sincères félicitations. Les premiers avocats généraux près la Cour de cassation sont invités d'aller signer le procès verbal de prestation de serment. Tozalia wana palais de la nation wa pepai bazuzi bazali bongo kokata seleka liboso ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bolandaki wana tolobi te ezali bongo biteni misato mabango na ndenge elongo bani mpo bakoka bongo kosunga bana mboka misala ya bosembo mikoka kokende bongo liboso basalisi kokoba kotya maboko ewana ezali bongo biteni bisato ya baeto oyebisaki bino te lelo bazali bongo kokata seleka omiso ma mokonzi mpe omiso ma nzambe nzoka nde bakambi ndenge na ndenge bazalami awa omululu mwango tomoni wana president ya sena mwana mboka bahati lukwebo president wa assemblée nationale mwana mboka mboso mpoti ya panga mpe bakambi basusu ndenge na ndenge bango bazwami awa mpe bazuzi basusu mpe ndenge na ndenge bazali awa omululu moyeboye voilà donc mesdames et messieurs c'est le tour des premiers avocats généraux du parquet général près la Cour de cassation pour la Cour, tout le près la Cour de cassation. Les avocats généraux sont en train de signer, les premiers avocats généraux sont en train de signer les PV. Et après, je crois, on ira au Conseil d'État où les avocats généraux viendront signer et aussi prêter serment avant de signer les procès verbaux. Il y a aussi une dame première à vous quatre générales en tout cas je pense que elle est dans ce box très très fermé du ministère public au plus haut niveau dans le secteur dans l'ordre judiciaire bien entendu ils prêtent leur serment. Et puis, ils signent les PV de leur prestation de serment devant le directeur de cabinet du président de la République. C'est le rituel, comme je vous ai dit. Quand vous n'avez pas fait ça, vous ne pouvez pas entrer en fonction. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Et dès cet après-midi, d'ailleurs, pour certains,
les cérémonies de remise et reprise vont intervenir et que chacun dans sa juridiction va prendre ses responsabilités. C'est donc fait pour eux. Ils vont répartir. Les avocats généraux près la Cour de cassation à bien vouloir se présenter en vue de prêter le serment légal. Il s'agit de Monsieur Mbunzu Luaou André, matricule C000239. Monsieur Vola Nzungu, matricule C000259. Monsieur Mosengo Motuli, matricule C000285. Madame Ibalayam Alas, matricule D000347. Monsieur Kalwila Moana, matricule D000432. Monsieur Lumande Kabuga, matricule D000455. Monsieur Moke Mayele, matricule D000813. Monsieur Luntaka Madi, matricule D000813. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'avocat général près la Cour de cassation. Mes très sincères félicitations. Généraux près la Cour de cassation sont invités d'aller signer le procès-verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet du chef de l'État. Ils vont donc, comme leurs prédécesseurs, signer le PV de prestation de serment auprès du directeur des cabinets du chef de l'État, Guilain Nyembo Buizia. Ils vont un à un signer ce procès-verbal. Vous avez bien compris qu'à la Cour de cassation, il y a le premier président qui a prêté serment seul. Et puis, il y a les présidents de la Cour de cassation qui étaient à 8, je crois, si j'ai bonne mémoire. Hein. Il y en a eu 8, ils ont prêté serment. Puis ensuite, il y a eu les conseillers qui étaient au nombre d'environ 19 ou 20 qui ont prêté serment devant le président de la République et ont signé ce PV. Et du côté du parquet général près la Cour de cassation, le procureur, lui, est en fonction. Le procureur général est en fonction depuis déjà quelques mois. Déjà, il avait été nommé par le président de la République dans l'ordonnance d'organisation judiciaire qui a précédé celle-ci. Il a été adjoint, donc, les premiers avocats généraux qui ont prêté serment il y a avant ceci, les premiers avocats généraux, il y en avait 4. Et puis, les avocats généraux, il y en a 8. Voilà, après eux donc, je crois qu'on va passer à la Cour, au Conseil d'État où la présidente Odio Nondé est déjà en fonction. Elle avait, elle aussi, profité de l'ordonnance d'organisation judiciaire qui avait précédé celle-ci. Elle est passée présidente du Conseil d'État en remplacement du professeur Mfundawi Tepemako qui occupait cette fonction-là. Elle est là, mais elle voit des nouveaux présidents au Conseil d'État être nommés par le président de la République. Ils vont prêter serment tout à l'heure et puis il y aura des conseillers aussi au Conseil d'État qui vont prêter serment. En tout cas, ils sont tous aux magistrats de la République démocratique du Congo. Je vous ai dit qu'ici le critérium, c'est la compétence qui est
facteurs des études faites, mais aussi de l'expérience professionnelle dans ce domaine. Il faut connaître la loi, toutes ses applications, des exceptions, tout ça, c'est la maîtrise qui est indispensable pour une bonne justice en République démocratique du Congo. Alors chacun, en ce qui les concerne, devra jouer le rôle attendu de lui et par la République pour que le secteur de la justice retrouve sa robe d'antan. Sinon, la nation ne s'élèvera pas. C'est la Bible qui le dit pour le croyant, chrétien d'ailleurs. La justice élève une nation, c'est connu de tous. Et ceux qui ont la responsabilité de rendre justice en République démocratique du Congo sont ici, devant le président de la République, en train de prêter serment et de signer leur PV. Maintenant, eux, ils doivent impulser une nouvelle dynamique dans tout le corps, ça veut dire dans les différentes cours d'appel. À Kinshasa, il y en a deux. La cour d'appel de Kinshasa-Gombe et la cour d'appel de Kinshasa-Matete. Et ces différentes cours d'appel ont dans leur ressort des tribunaux des grandes instances. Et les tribunaux des grandes instances ont dans leur juridiction ou dans leur ressort des tribunaux de paix. Ça, c'est pour Kinshasa. Dans chaque province, dans chaque chef-lieu, il y a une cour d'appel qui est installée et qui y a sous sa supervision les tribunaux des grandes instances qui eux aussi ont des tribunaux de paix dans leurs ressorts respectifs. Toute cette organisation judiciaire converge vers la fêtière qui est la cour de cassation dont le premier président a prêté serment tout à l'heure. Et pour les parquets, le procureur général prête la cour de cassation, les premiers avocats généraux qui ont prêté serment, les avocats généraux qui sont en train de prêter serment, et les parquets prêtent les cours d'appel, prêtent les TGI et prêtent les tripés, ont la responsabilité, eux, comme ministère public, de rechercher les informations et de traduire leurs auteurs devant les cours et tribunaux correspondants. C'est dire donc qu'un magistrat, en tout cas, selon le pouvoir lui conféré par la loi, il peut s'arrêter sur le chemin, constater des infractions, parce qu'elles sont courantes en République démocratique du Congo. Tout bandit peut passer à insulter les gens sans aucun gêne et penser que nous sommes dans la jungle. Mais si les magistrats revêtent leur costume de ministère public et qui recherchent les informations et traduisent leurs auteurs devant les cours et tribunaux, ils peuvent même en cours de chemin s'arrêter et ramasser des individus hors la loi comme ceux-là et les traduire devant les cours et tribunaux. C'est faisable et il y a lieu de leur conférer cette responsabilité. On ne peut pas leur conférer cette responsabilité, leur rappeler que c'est une responsabilité qui est la leur. Ils peuvent bien faire respecter la loi partout où ils sont, en toutes circonstances et en tout lieu. Cela va permettre à l'autorité de l'État. Le président du Conseil d'État a bien vouloir se présenter en vue de prêter le serment légal. Il s'agit de Monsieur Malenga Minga, matricule B. 000143. Monsieur Abdallah Mboka Miba, matricule D 00294. Monsieur Kiboué Mouter. De remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de président du Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. Soyez invités d'aller signer le procès-verbal de prestation de serment avec le directeur du cabinet du chef de l'État. C'est
c'est le tour des présidents du Conseil d'État. La première présidente du Conseil d'État, Odonondé, qui est aux premières loges des responsables de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo, parce qu'il est membre du présidium du Conseil supérieur de la magistrature, avec au plus haut niveau. Je parle de cassation, le Conseil d'État, la Cour d'ordre militaire et je disais donc la présidente, elle déjà, je vous disais, Odonondé, est là depuis quelques temps déjà. Elle est en place, la première présidente du Conseil d'État. Puis il vient ses présidents, il y en a cinq qui ont prêté serment tout à l'heure et sont en train de parachever le cérémonial par cette signature des procès verbaux. Dès qu'ils l'auront fait, les conseillers au Conseil d'État vont être appelés eux aussi par Jacquemin Chabani, conseiller principal du président de la République, mais qui fait intérim du conseiller en charge des questions juridiques. Lui est chargé de questions politiques et électorales. Mais il vient ici en cette qualité-là parce qu'il assure cet intérim et la cérémonie a lieu. Pendant qu'il lui fait cet intérim, quoi de plus normal qu'il soit là en train de guider cette cérémonie sans laquelle ces hauts magistrats ne peuvent pas entrer en fonction. Après eux, je vous disais que les conseillers vont être appelés. En tout cas, les conseillers sont nombreux, j'imagine. Ils vont être appelés pour prêter serment. Et quand ce sera terminé pour le Conseil d'État, et puis il y aura les parquets généraux près le Conseil d'État, dont les hauts magistrats viendront eux aussi prêter serment. Et de ce côté-là également, je crois que le procureur général près le Conseil d'État lui est en place depuis quelques temps déjà, mais les premiers avocats généraux et les avocats généraux vont prêter serment quand ils seront à Je suis un conseiller et un conseil d'État. Je suis un conseiller et un conseiller d'État. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de conseiller au Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. Les conseillers au Conseil d'État sont invités d'aller signer le procès-verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet du chef de l'État. Ya République démocratique ya Congo pe ko sadila yao na mutindo ba mukuza mutindo na kubieka na kiti ya kimfumo na yao mfumo hisi mendi maya mpamba ve nsato ya mfumo hisi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Ikeleti bisalo ya busonga kutela makati ya insi ya République démocratique ya Congo kana bosi busonga ke ya kutela mave insi ke tambola kam TV na yao ya mukuza ndima yao na kati ya ntima nanti si ti amendima mutino kuzenga tseleka peme kukumisa bao kupesa bao nzila samuti basala bisalo ya busonga na mutindo andikele mingi penza kuzodila mpanga luzolo betukele kaka wanapale ya nation wapi mukembo yango ya nene yango dikele kulota ya mikuza mingi penza kusalama na nima ya mfumo hisi kusoba bisalo ya bazuzi ya sobaka yao mutube tutubaka na ntonono na ngonda ya nana wapi mfumo hisi kuzaka mingi penza kubimisa bantuadisi ya impa ina lendaka mutindi na kutuadisa bisalo ya busonga kati ya isi ya Republika Demokratika ya Kongo tuka lumbu ya makumi zoe na nana ya ngonda ya nana ina mukanda kuzaka bima nde na kilumbu wa bubu bazuzi na pona maka na iswa ya mfumo wa isi paoyonso kele kulota na kuzenga mutindu ina cheleka cheleka ina ikele samu na kupesa bao nzila na kuza mingi peza kuzaba
kusala bisela busonga bosi ya okede mingi penza kulombama kansi samu na kubambula beno moyo bampanga luzolo benfona zabati kusoba bisalu na basozi salamaka na ngonda mika tukaluta bosi mutubaka na kacha mukanda ina bakuzaka kupemisa pe bazuzi na mbi kusala bisalu mingi kacha insi na mvula mingi mzo natuba kacha insi ya Republic Democratic ya Congo kaka mukanda ina katusaka bazuzi na salaka bisalu mbo TV pe ya mekuza kotisa bazuzi ya impa ina linda kutwadisa bisalu la busonga na mutino mosi ya mbote kati ya insi ya Republic Démocratique ya Congo. Voilà, donc les conseillers au Conseil d'État sont en train de signer les PV et pour que leur serment soit donc solennel, il est prévu cette étape. Ils sont une bonne dizaine qui passent à tour de rôle pour signer ces procès-verbaux. Le Conseil d'État, comme je vous le disais, c'est l'ordre administratif. Toutes les questions relatives à l'administration, les décisions prises par une autorité administrative qui préjudicie un citoyen de la République démocratique du Congo, même les ordonnances présidentielles peuvent être attaquées au Conseil d'État. Les décisions, les décrets du Premier ministre, les arrêtés des ministres, les décisions des gouverneurs. En tout cas, toutes ces décisions administratives peuvent être attaquées au Conseil d'État qui a la responsabilité de suivre la conformité de ces textes pris par les autorités administratives vis-à-vis de la Constitution, mais aussi des lois de la République. En dehors de ces compétences administratives, ils ont aussi des compétences électorales en matière de contentieux électoral des députés provinciaux, les litiges sont tranchés par les cours administratives d'appel d'abord au premier ressort, au premier degré j'allais dire, et ensuite tranchés par le Conseil d'État au dernier degré. C'est donc cette organisation judiciaire en République démocratique du Congo qui confère ses compétences au Conseil d'État. C'est une organisation très très importante en République démocratique du Congo où les questions d'administration sont très très nombreuses et qui traînent à trouver des solutions des citoyens qui sont préjudiciés par des décisions administratives qui saisissent le Conseil d'État pour l'instant parce qu'il n'y a pas de cour administrative d'appel, il n'y a pas de tribunaux administratifs. L'abondance des matières qu'il faudrait traiter sur cette question, c'est toute la complexité de la procédure, vous comprenez, et donc la nécessité d'avoir un Conseil d'État bien étoffé avec des juges compétents, présidents, conseillers, en tête desquels se trouve la première présidente, pour pouvoir donner des réponses à toutes les questions qui leur sont posées. Ils ont un côté de conseiller, je parle du Conseil d'État, conseiller du gouvernement, du président de la République, en tout cas des institutions de la République sur les questions administratives. Toutes les questions administratives et les organes du niveau national peuvent se référer au Conseil d'État pour avis. Est-ce que dans le domaine administratif, ceci peut être faisable? Est-ce que ce qui a été fait ici est conforme à la loi? Parce qu'ils ont des réponses à donner sur ces questions. Mais ils ont aussi la responsabilité de trancher les litiges administratifs. C'est pourquoi, au sein du Conseil d'État, il y a des chambres, il y a des sections aussi. Et ce sont les conseillers, les présidents qui siègent dans les différentes sections, les différentes chambres. On y parle de la chambre consultative, comme je vous ai dit tout à l'heure, et la chambre de contentieux. Le contentieux administratif, il faudrait bien le trancher. Et la spécificité, la spécialité du Conseil d'État, c'est justement ce contentieux administratif. À tous les niveaux, le contentieux administratif existe, mais il faudrait mettre à disposition les moyens qu'il faut par le gouvernement pour que soient installés tous ces tribunaux administratifs sur l'ensemble du
territoire national. Les actes administratifs que pose un administrateur du territoire ne devraient pas en principe être gérés ou tranchés par le Conseil d'État. Il faudrait que les tribunaux administratifs soient installés pour que ce genre de questions soient traitées au niveau du tribunal administratif. Quand un gouverneur prend une décision qui n'est pas administrativement correcte, il fallait qu'une cour administrative d'appel soit installée dans cette province-là pour se charger de la question et trancher en connaissance de cause. C'est une organisation judiciaire de la République démocratique du Congo qui est en train, en tout cas je crois, que la présidente du Conseil, la première présidente du Conseil d'État, a donc inscrit au budget proposé par le Conseil supérieur de la magistrature l'installation sur l'ensemble du territoire national de ces tribunaux administratifs. Souvenez-vous que la Commission électorale nationale indépendante a déjà convoqué l'électorat pour les questions, pour les élections provinciales, municipales et locales. Les litiges qui naîtront, les contentieux qui naîtra, devra être géré par les tribunaux administratifs. Et je pense qu'il est urgent que ces tribunaux soient installés sur l'ensemble du territoire national. Même si pour ce cycle électoral, c'est déjà très bien en retard, les tribunaux des grandes instances vont se charger de régler ces litiges qui naîtront forcément. C'est inévitable. Je pense que au prochain cycle électoral, les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel seront déjà installés sur l'ensemble du territoire national et que les contentieux et les litiges suivront leur cours normal selon les niveaux et les parties en présence, comme la loi les spécifie et les dicte comme principe. Voilà donc, mesdames et messieurs, nous sommes dans la procédure. Je vous ai dit tantôt que ça prendra l'État. En cas généraux, prêt le Conseil d'État à bien vouloir se préparer en vue de prêter le serment légal. Il s'agit de M. Kanyama Mbayabu, matricule D000436. M. Louyamba Yalemba, matricule D000568. Madame Mobele Bomana, matricule D000468. Madame Kiala Lembo, matricule C000220. Et Monsieur Elumu Kimbu, matricule D000307. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de premier avocat général près le Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. Les premiers avocats généraux près le Conseil d'État sont invités d'aller signer le procès verbal de prestation de serment avec le directeur du cabinet du chef de l'État. Bandeko. Tomoni wana milulu mizalise kokoba. Cour de cassation kuna ezana ba président, premier président na ba président naye balandi. Et pas les sous-sous, les alliés, les conseillers, les alliés, les conseillers, les alliés, les conseillers, les zouzi, les avocats, les bassins, les cabatons, les cambo. Donc, si vous avez un conseil d'État,
premier président. Na ba président na ye bango pe ba utai kokata seleka na miso ya mokonzi ya mboka. Kuna na kata conseil d'état ba conseiller ya conseil d'état pe bazali. Yango na bomuna ki pe bango pe bakata ki seleka ba ke kotia pe maboko. Omikanda mwe mozali kolakisa te ba kotosa mibeko. Bakotosa manso bakati seleka ndenge yenge ben na mibeko ndenge zali. Bayi ba uti koloba sikoyo ezali bongo. Voilà donc Eboma Clémentine, ce sont les avocats, les premiers avocats près le conseil. Les premiers avocats du parquet général près le Conseil d'État. Je vous ai dit tout à l'heure que le procureur général près le Conseil d'État, lui, est en fonction depuis déjà quelques mois ou quelques années, si je ne me trompe pas. Lui, il est en fonction, il ne prête pas serment, il avait déjà prêté serment. Ceux-ci sont ceux qui le secondent dans l'exercice de ses fonctions, les premiers avocats généraux qui sont en train de prêter serment. Après eux, il y aura les avocats généraux qui constituent donc ce parquet général près le Conseil d'État. Le rôle de ce parquet, c'est comme tout parquet, c'est l'organe de la loi qui représente la loi. Chaque fois qu'elle est violée, cette loi, ils interviennent pour rétablir l'ordre légal. Voilà, donc il y a quelques femmes dans cette catégorie des premiers avocats généraux au Conseil d'État. D'ailleurs, c'est une juridiction coiffée par une dame, Odionondé. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Elle a succédé à Bundawi Tepemako, le professeur, qui en était le président il y a quelques années. Je crois que c'était l'année dernière qu'ils sont entrés en fonction. Elle, la première présidente, et le procureur général près le Conseil d'État. Après ces premiers avocats généraux, il sera reçu les serments des avocats généraux par le président de la République. Et donc, j'étais en train de vous parler de ces litiges qui sont traités par le Conseil. Nous invitons les avocats généraux près le Conseil d'État à bien vouloir se présenter en vue de prêter le serment légal. Il s'agit de M. Mikobi Mikwete, matricule C000233. M. Tabala Nim Song, matricule C000250. M. Bokango Ngobila Bongali, matricule C000263. Monsieur Ousseni Sefou, matricule C000292. Monsieur Wandolela Mukobeloa, matricule D000529. Madame Ngongo Feza, matricule D000580. Monsieur Nimi Ngwamashi, matricule D000774. Monsieur Ilunga
Mouéloa, matricule D000979. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'avocat général près le Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. Les avocats généraux près le Conseil d'État sont invités d'aller signer le procès-verbal de prestation de serment avec le directeur du cabinet du chef de l'État. Nani Mouyaba, avocat et entité, il y a conseil. Il y a l'État, il y a Mekuza Mtundi na Koko Mantango, il y a Bavocat Généraux, il y a Conseil d'État, il y a Bavokwenda Mtundi na Kutula Maboko na Mukanda, il y a Mekuza Ndima Inga, Kutwadisa Bisalu, il y a ici la République démocratique ya Congo, Bavokite, Bavokile Kitezo, il y a Ufwa, il y a Mvimba, Yina, Kena Kuluta Mosi Mosi. Samu na kwenda mutindu ina kutula maboko na mukanda ina mami kuzandima kutwadisa bisalu ya isi bosi nsiku ya isi ya Republic Demokratiki ya Kongo kele kulomba yonso ina kena kuluta na ntwala ya mfumo wa isi ya Republic Demokratiki ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ina mekuza mingi penza kundima inga epe kupesa bao inswa kukumisa bao samuti basa la bisalo bosi yao kere mingi penza kulombama. Voilà donc les conseillers, j'allais dire, ce sont les avocats généraux du parquet près le Conseil d'État. Je crois que pour ce jour, ce sont les derniers aux magistrats qui vont prêter serment devant le président de la République. Le serment ici prêté est pris individuellement, ce n'est pas collectif, ce n'est pas un serment collectif, c'est un serment individuel que le président de la République reçoit pour chaque haut magistrat. Et comme tous ceux qui les ont précédés, ils vont signer le PV de prestation des serments pour leur entrée en fonction. Et je vous disais donc que ceci, le Conseil d'État et tous ses dépendants, tous ceux qui sont sous sa juridiction, sont chargés de questions administratives. Et le droit administratif est un labyrinthe difficile à comprendre déjà pour les techniciens du droit eux-mêmes. Il y a dans le droit administratif, le contentieux administratif qui fait justement la matière de ce Conseil d'État qui représente pour l'instant toutes les juridictions administratives en République démocratique du Congo en attendant l'installation des cours et tribunaux administratifs. En tout cas, le Conseil d'État gère toutes ces questions. C'est pourquoi dans de nombreuses situations, vous apprenez que des décisions ont été prises et annulées par le Conseil d'État parce que justement, pour procéder à une décision pour des actes individuels ou pour des actes collectifs et tout ça, il y a une certaine procédure à suivre sur le plan administratif. Et quand vous n'avez pas la maîtrise de ces questions, vous ne verrez que le Conseil d'État vous renvoie la copie et parce que les dispositions légales en la matière n'ont pas été respectées. Il faudrait donc s'inspirer, comme est là pour rôle, il a une chambre consultative, le Conseil d'État. Il est possible d'aller rencontrer cette chambre et poser la question sur un acte administratif qui pourrait être pris ou attaquer en justice. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il est normal qu'en période, en telle période, on puisse prendre pareille décision? Et donc, comme ça, vous avez un avis éclairé pour vous permettre de prendre la décision qui s'impose et conformément à la loi pour être à l'abri d'une cassation de votre décision par le Conseil d'État. Cela est régulier
en République démocratique du Congo parce que le Conseil d'État se charge aussi des litiges qui naissent dans les différents ordres, hein, l'ordre des avocats, l'ordre des médecins, l'ordre des architectes, partout où il y a des situations litigieuses. Le Conseil d'État prend la responsabilité de donner les éclaircissements qu'il faut. En attendant, si au niveau national il y a le Conseil d'État, il faudrait bien qu'au niveau provincial et au niveau local, il y ait des tribunaux correspondants. Et c'est ce qui est en train d'être fait, j'imagine. Je vous ai parlé tout à l'heure du budget qui devrait être voté, le budget du pouvoir judiciaire qui part du Conseil supérieur de la magistrature doit certainement avoir intégré le besoin de voir les cours administratives d'appel s'installer sur l'ensemble du territoire national dans toutes les provinces de la République et puis viendra l'installation des cours et tribunaux. La première présidente du Conseil d'État a fait le tour des quelques provinces dans le Congo central. Elle est allée dans le Haut-Katanga, si je me souviens très bien, dans le Haut-Katanga, dans le Lualaba, en tout cas je crois. Elle y a été prospecter, voir s'il y a la possibilité d'avoir des bâtiments publics qui peuvent abriter les cours administratives d'appel et le cas échéant, les tribunaux administratifs. Tout cela fait partie de ses responsabilités. Elle doit bien s'assurer que la République dispose des locaux et de bâtiments qui peuvent recevoir ces tribunaux administratifs. C'est une impérieuse nécessité dans une République qui se veut totalement démocratique et donner la possibilité aux agents et cadres de l'administration publique de protester ou de contester sur le plan légal les décisions qui sont prises par leur hiérarchie. Mais ici, il y a un principe, avant d'aller saisir une juridiction administrative, il y a toujours un recours hiérarchique obligatoire. Vous devez d'abord manifester votre mécontentement auprès de l'autorité hiérarchique pour avoir son avis ou peut-être avoir la reconsidération de sa position. Sinon, si cela n'est pas fait, dans ce cas-là, vous avez la possibilité ou non, vous avez le droit d'aller saisir une juridiction administrative. Autrement, votre requête sera irrécevable auprès de la juridiction administrative. Procès-verbaux signés. Le premier, procès verbal de prestation de serment d'un président de la Cour de cassation. L'an 2023, le 14e jour du mois de septembre, en présence de M. Guilain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet du président de la République. La personne ci-après, M. Ndomba Kabea, matricule D. 000385, nommé premier président de la Cour de cassation par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/168 du 15 août 2023, portant nomination d'un premier président de la Cour de cassation, a prêté le serment dans la teneur suit. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Conformément aux dispositions des articles 5 et 13 alinéa 1er, 3 et 4 de la loi organique numéro 6/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015, le président de la République, chef de l'État, a reçu le serment précité et lui en a donné acte, en foi de quoi il a été dressé le présent procès verbal en 3 exemplaires signés à Kinshasa par M. Ndomba Kabea, premier président de la Cour de cassation, M. Guilain Niembo Mbouissa, directeur de cabinet.
Procès verbal de prestation de serment des présidents de la Cour de cassation. L'an 2023, le 14e jour du mois de septembre, en présence de M. Guylain Niembo Bouinsia, directeur de cabinet du président de la République, les personnes ci-après, M. Oubulu Pung, M. Badinengani Bilolo, M. Mate Kialire, M. Kibamba Moket, M. Kabasele Nzembele, Mme Bajana Ngoya, M. Chimini Mulumba, M. Kombe Kalala, nommés président de la Cour de cassation, respectivement par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20/108 du 17 juillet 2020, portant nomination des magistrats civils du siège Cour de cassation pour le premier assermenté, et par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/150 du 15 août 2023, portant nomination des magistrats civils au siège Cour de cassation pour les autres assermentés, ont prêté chacun le serment dont la teneur suit. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Conformément aux dispositions des articles 5 et 13, alinéa 1er, 3 et 4 de la loi organique numéro 6/020 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats, tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015, le président de la République, chef de l'État, a reçu le serment précité et leur en a donné acte, en foi de quoi il a été dressé le présent procès verbal en trois exemplaires, signé à Kinshasa par M. Oubul Pung, M. Badinengani Bilolo, M. Mate Kialire, M. Kibamba Moket, M. Kabasele Nzembele, Mme Bajana Ngoya, M. Chimini Mulumba, M. Kombe Kalala, président de la Cour de cassation, et M. Guylain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet. Procès verbal de prestation de serment des conseillers à la Cour de cassation. L'an 2023, le 14e jour du mois de septembre, en présence de M. Guylain Niembo, directeur de cabinet du président de la République, les personnes ci-après, M. Moussenga Wa Kassanji, Mme Terkasa Lufungula, M. Tsasa Kandi, M. Chibangu Mutombo, M. Ilunga Tiamakeji, Mme Bolingo Nkani, M. Nduba Kilima, M. Mfutu Bolenge, M. Muteba Mulomba, M. Bokanga Mabondo, M. Kipaka Basilimu, M. Nzueye Ngbo Gouda, M. Mwamba Kankolongo, M. Safari Zialiroa, M. Dunia Walumona, M. Lubanda Chabani, M. Kachamangoy, Madame Mwanji Kabiku, Madame Mubenga Kamwanya Marie-France, Madame Ngolela Chisanga, nommée conseiller à la Cour de cassation par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/150 du 15 août 2023, portant nomination des magistrats civils au siège Cour de cassation
ont prêté le serment dont la teneur suit. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Conformément aux dispositions des articles 5 et 13, alinéa 1er, 3 et 4 de la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats, tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015, le président de la République, chef de l'État, a reçu le serment précité et leur en a donné acte. En foi de quoi il a été dressé le présent procès-verbal en 3 exemplaires, signé à Kinshasa par Monsieur Musenga Wakasanji, Madame Terkasa Lufungula, Monsieur Tsasa Kandi, Monsieur Chibangu Mutombo, Monsieur Ilunga Chamakeji, Madame Bolingo Nkani, Monsieur Nduba Kilima, Monsieur Mfutu Bolenge, Monsieur Muteba Mulomba, Monsieur Bokanga Mabondo, Monsieur Kipaka Basilim, Monsieur Nzuei Mboguda, Monsieur Mwamba Kakolongo, Monsieur Safari Zihaliroa, Monsieur Dunia Walumona, Monsieur Lubanda Chabani, Monsieur Kachamangoy, Madame Mwaji Kabiku, Madame Mubenga Kamwanya Marie-France, Madame Ngolela Chizanga, tous conseillers à la Cour de cassation, et Monsieur Guilaniembo, directeur de cabinet du chef de l'État. Procès verbal de prestation de serment des premiers avocats généraux près la Cour de cassation. En l'an 2023, le 14e jour du mois de septembre, en présence de Monsieur Guilaniembo Mbouizia, directeur de cabinet du président de la République, les personnes ci-après, Monsieur Kazadi Kasonga Muleba, Monsieur Mulengela Kabelu, Monsieur Pungwe Nemba, Madame Sumbu Ohemba, Monsieur Bakubi Kilanga, nommé premier avocat général près la Cour de cassation par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/151 du 15 août 2023, portant nomination de magistrat civil du ministère public, parquet général près la Cour de cassation, ont prêté le serment dont la teneur suit. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Conformément aux dispositions des articles 5 et 13, alinéa 1er, 3 et 4 de la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats, tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015, le président de la République, chef de l'État, a reçu le serment précité et leur en a donné acte. En foi de quoi il a été dressé le présent procès-verbal en 3 exemplaires signé à Kinshasa par M. Kazadi Kasonga Mulemba, M. Mulengela Kabelu, M. Pungwe Nemba, M. Sumbu Ohemba, M. Bakubi Kilanga, tous premiers avocats généraux près la Cour de cassation, et M. Guilaniembo, directeur de cabinet. Procès verbal de prestation de serment des avocats généraux près la Cour de cassation.
L'an 2023, le 14e jour du mois de septembre, en présence de M. Guilain-Niembo Mbouissia, directeur de cabinet du président de la République, les personnes ci-après, M. Mvunzu Luaou André, M. Vola Nzungu, M. Mosengo Motuli, Madame Ibalayam Alas, M. Kalila Mwana, M. Lumande Kabuga, M. Moke Mayele, M. Luntaka Madi, nommé avocat général auprès de la Cour de cassation, par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/151. Du 15 août 2023, portant nomination des magistrats civils du ministère public, parquet général près la Cour de cassation, ont prêté le serment dont la teneur suit. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Conformément aux dispositions des articles 5 et 13 alinéa 1er, 3 et 4 de la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er octobre 2015, le président de la République, chef de l'État, a reçu le serment précité et leur en a donné acte. En foi de quoi il a été dressé le présent procès-verbal en 3 exemplaires signé à Kinshasa par M. Mvuzu Luaou André, M. Volan Tsungu, M. Mosengo Mutuli, Madame y fonction qui me sont confiées. Conformément aux dispositions des articles 5 et 13 alinéa 1er, 3 et 4 de la loi organique numéro 6/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015, le président de la République, chef de l'État, a reçu le serment précité et leur en a donné acte. En foi de quoi il a été dressé le présent procès verbal en 3 exemplaires signé à Kinshasa par M. Kanyama Mbayabu, M. Luyamba Walemba, Mme Mobele Bomana, Mme Kiala Lembo, M. Elumu Kimbu, tous premiers avocats généraux près le Conseil d'État, et M. Guilain Niembo, directeur de cabinet. Procès verbal de prestation de serment des avocats généraux près le Conseil d'État. L'an 2023, le 14e jour du mois de septembre. En présence de M. Guilain Niembo, directeur de cabinet du président de la République, les personnes ci-après. Monsieur Mikobi Mikwete, Monsieur Tabala Nimensong, Monsieur Bokango Ngobila Bangoli, Monsieur Ouseni Sefu, Monsieur Wandolela Mukebelua, Madame Ngongo Feza, Monsieur Nyami Ngwamachi, Monsieur Ilunga Mwelua, nommé avocat généraux près le Conseil d'État par ordonnance d'organisation numéro 23/153 du 15 août 2023 portant nomination des magistrats civils du ministère public, parquet général près le Conseil d'État, ont prêté le serment dont la teneur suit. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Conformément aux dispositions des articles 5 et 13 alinéa 1er,
3 et 4 de la loi organique numéro 6/020 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015, le président de la République, chef de l'État, a reçu le serment précité et leur en a donné acte. En foi de quoi il a été dressé le présent procès verbal en 3 exemplaires, signé à Kinshasa par M. Mikobi Mikwete, M. Tabala Nimensong, M. Bokango Ngobila Bangoli, M. Ousseini Sefou, M. Wandolela Mukobeloa, Mme Ngongo Feza, M. Nyami Nguamashi, M. Ilunga Mueloa, tous avocats généraux près le Conseil d'État, et M. Kilenyembo Mbuisia, directeur du cabinet du chef de l'État. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de nos hommages renouvelés, honorable président de l'Assemblée nationale ici représentée, honorable président du Sénat, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, excellences, monsieur le doyen des corps diplomatiques, messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs en vos qualités et titres respectifs, nous voici arrivés au terme de cette cérémonie solennelle au cours de laquelle un premier président de la Cour de cassation, les présidents de la Cour de cassation, les conseillers à la Cour de cassation, les premiers avocats généraux près la Cour de cassation, les avocats généraux près la Cour de cassation, les présidents du Conseil d'État, les conseillers au Conseil d'État, les premiers avocats généraux près le Conseil d'État et les avocats généraux près le Conseil d'État ont prêté serment en votre présence et devant votre haute autorité. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec nos hommages les plus déférents, avec votre autorisation, nous remettons la parole au protocole pour la suite. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, magistrat suprême, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Le programme prévoit une série de prises de photos de famille avec les hauts magistrats ici dans l'hémicycle et à la rotonde du Palais de la Nation. Nous prions l'assistance de se lever pour chanter l'hymne national.
batia ba bakati seleka ba mama pe bazali ba ike tokanisi seleka wana bakati ezali tina kata mitema ezali se ya munoko te bango bakati seleka te ba botosa mibeko ya mboka ba kosala musala na ndenge elongo bani tokolika te sima ya mikolo mokonzi ya mboka kosepela misala ya bosemo mikokende liboso zambi mboka esengeli bongo ezala na misala bosembo soki bosembo ezali te mboka ekendeke liboso te mboka etomomaka na misala ya bosembo ya seleka mokembo ya kozanga teleka ya bazuzi memanisa awa bao nyonso mekuza ndima inga na kosala misala busonga na mutindu mosi ya kofanakana nyonso kozaka luta na mfumu ya isi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bamekuza tubati ya seleka batazitisa nsiku ya isi ya République démocratique ya Congo mpe batasala bisalo na bao mutindu insike na kulomba ina kele mutindu ina makandu bamekuza baka bao nyonso sa muti bisalo ya busonga kokonda na ntwala kana isi busala busonga kena konda na ntwala ve mambo ketanga salama kambo TV na nzila ya kundima mambo nyonso ina bao mendima na ntwala ya mfumo ya isi pe na ntwala ya mfumo nzambi ti Bata sala bisalu ina na mutindu mosi ya mbote. Merci Clarisse Pelende, merci Clémentine Bon pour ces informations en Kikongo et en Lingala sur cette cérémonie de prestation serment des hauts magistrats de la Cour de cassation du Conseil d'État et ceux des parquets près ces hautes juridictions. Vous avez suivi depuis le début, le premier président de la Cour de cassation a prêté serment, les premiers présidents ainsi que les conseillers à la Cour de cassation. Il s'en est suivi le haut magistrat du parquet général près de la Cour de cassation. Il s'agissait des premiers avocats généraux, des avocats généraux au Conseil d'État. Il y a eu la prestation de serment du premier président du Conseil d'État, des conseillers au Conseil d'État. Et puis ensuite, les avocats généraux près le Conseil d'État et les avocats généraux près le Conseil d'État. C'était donc fait, c'est la cérémonie qui manquait pour qu'ils entrent en fonction et c'est ce qui est fait désormais. Ils vont procéder aux remises reprises dans chaque office pour que le travail reprenne comme de droit. Voilà donc tous les magistrats, les hauts magistrats qui étaient ici venus pour cette cérémonie. Ils sont donc complètement assermentés. Le président de la République, chef de l'État, a pris la photo avec le Conseil supérieur de la magistrature, représenté par tous ceux qui devaient prendre, qui prennent pratiquement part à ce présidium du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la Cour suprême de justice, l'avocat, j'allais dire le procureur général près cette Cour, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour de cassation, la première présidente du Conseil d'État et le procureur général près cette Cour, le premier président de la Cour d'ordre militaire et l'auditeur général près cette Cour. Tous étaient rangés et le président de la République a pris une photo avec eux. À présent, une photo avec tous les magistrats sera prise par le président de la République à la rotonde du Palais de la Nation. C'est une photo pour l'histoire et pour rien au monde, les magistrats assermentés ne pouvaient manquer cette occasion. Il n'y en a pas deux. Ils ont prêté serment et le président de la République leur offre cette possibilité. C'est la photo qui trônera dans tous les bureaux de ces nouveaux assermentés de l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. En tout cas, en ce qui nous concerne, la Radio-Télévision nationale congolaise, nous avons été présents pour vous retransmettre en direct cette cérémonie, comme nous le faisons toujours chaque fois que besoin se fait sentir ou chaque fois que nécessité il y a. Le direction générale de la Radio-Télévision nationale congolaise que préside ou que dirige bien entendu Sylvie Elenge Nyembo met tout ce qu'il faut mettre en mouvement pour que chaque fois qu'il y a événement, nous soyons là pour vous faire vivre cet événement-là comme si vous y étiez, c'était encore le cas. Cet avant-midi, nous avons été ici dans cette salle chargée d'histoire. Je vous ai dit au tout début, c'est ici que l'indépendance de la République démocratique du Congo a été prononcée. Mieux, c'est ici que la République démocratique du Congo est née.
Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale. Halte au tribalisme. Protégeons notre diversité culturelle. Notre Congo, toujours liboké. Bomoko. Qu'on soit une petite ou grande entreprise, les grandes victoires s'obtiennent avec le meilleur. Avec les offres fibre entreprise d'Orange, profitez d'une connexion très haut débit jusqu'à 200 MB par seconde, des solutions téléphoniques adaptées à vos besoins et de nombreuses autres options comme la